samu ya vuto samvuto na yonso ina kana bosi mbongo ina ndeta kuza mingi penza kuzaba kusala kisalu ya mbote na ntango kuzaka baka ndinga kwa loli ya ntete zimbanaka vena kuza tubati na bamfula meka tukaluta mingi bazi mbanaka makamba mambo mingi ya mutina mutindi na bava ndaka tulave na kati ya nkela aleta kasi mvula ike mutindi na ve wame kuza tubati na mvula ya mvula mafunda zole na makumi zole to 2022 mbongo ina talungisa nsatu ya mambo yonso nsatu ya mambo yonso na kutula ntete nkangu ya insi ya Republic Democratique ya Congo na ntwala tala mpanga luzolo jambo mekusa vandila hawa ikele mingi penza ya kusabisa beno nini mutindu masolo yango takuza luta nini ina dibanza Jean-Michel Samalukonde inakele nkwalole ya ntete mekuza mingi penza kunata na ina mekutala nkela ina elita mbongo ina mekuza kuza tula na nkela elita mbongo ina ndeta kuza mingi penza kujatisa bisalo ya insi ya Republic Democratique ya Congo. Mamasi matongo mingi Clarisse Pelende, très chers spectateurs, le membre du gouvernement vient de faire leur entrée ici dans l'hémicycle du palais du peuple. D'un moment à l'autre, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde va prendre la parole pour répondre aux préoccupations des élus du peuple lors de la dernière plénière. 108 députés avaient demandé la parole pour poser leurs questions par rapport au budget exercice 2022 estimé à 10 milliards de dollars américains. Il sera demandé à la plénière de se prononcer sur ce projet de budget et dans la suite la commission économico-financière et contrôle budgétaire de la chambre basse du parlement se chargera d'entrer en profondeur pour examiner secteur par secteur qui est prévu et comment améliorer les prévisions. 10,3 milliards de dollars américains, c'est une augmentation sensible du projet, soit près de 47%, mais ce n'est pas encore à la hauteur des besoins de développement. Clarisse Pelende, le budget exercice 2022 estimé à 10 milliards de dollars américains, c'est une grande chose, mais ce n'est pas encore à la hauteur des besoins du développement de ces grands pays, la République démocratique du Congo. Et l'Assemblée nationale, en tant qu'autorité budgétaire, va encore se pencher sur la mobilisation des recettes pour voir comment augmenter davantage ce projet de loi budgétaire exercice 2022. Mpanga luzolo na jambo mekutala mbongo ina talundama na nkela leta sama sala bisala mutina mutindu ba kwa kinzonzi kuzaka telama samu na kumunisa ba mabanza kati na ba vandaka Jean-Marc Kabund ina kele kilandi ya ntwadisi ya Assemblée Nationale yangi pe kuzaka luta na mtola ba mwangisi ya nsangu samu na kuza kutubila jambo mekutala kaka mbongo ina kansi nantangu Jean-Marc Kabund kuzaka baka ndinga ya kuzaka tubila jambo mosi ya mfuno na kuza tubati na dibanza nandi ya andi kele kubanza ti samu na yandi bale ndaka ta kuzenga mfutu ya badepite samu na kubwedisa yao na kati ya mbongo ya bamakesa jambo ina bantu kumonaka yao mbive na kuza mona ti kana bosi mbongo kena kulunga mambote ve samu ya kuza mingi kupesa nzila tinkangu ya insi ya Republic Democratique ya Congo kufanda na luzingu ya mbote ya tomaka mingi penza kusosa na mpila ya nkaka pila ya nkaka yango samu na jamu Michel Kabund ya monakati ya tomaka mbote mingi penza bakuzaka zengisa mbongo
mufutu ya ba makesa ya ba kwa kinzonzi samu nakuza mingi kubodisa yao na lufutu ya ba makesa. Kansi nakata mbongo ina, bosi mutubetu mutubaka kitezo ya ba miyara makumi zole na mafunda ankama sambwadi na makumi tatu ya mvimba ya dole ya franc congolais, samu nakutubila yao 10 milliards de dollars ina ya lumekuza mingi penza kubungisa. Mbongo ina takuza pesa nzila samu nakuza mingi penza kuzaba kubungisa luzingu ya nkangu ya isi ya Republic Democratic ya Congo. Kaka luzingu ve kansi yake na mambo banzila kile ya imbi ntango betu kina kutuba mambo mingi kile kukwendila mbote ve na ntango ya COVID-19 yai na kutala mingi penza na ndambo ya kizunga est yoso ina ndemba maikele mbote mbote mingi penza mekota ntete mbote mbote mingi ve. Kansi nakati ya mbongo ina ya limekuza bongisa yata kuza sala bisalu yonso ina ya kusosa kupesa lusadisu na bamakese ina kena kubakama na ndamba kizunga ya este samu ya kuza pesa bao kikesa ngolo ya kusosa kutatamisa ndembama na ndamba ya kizunga ya este. Mbongo ina takuza sala bisalu ya mutino mutindu ya kubongisa banzila ya masini ya kubongisa badibungu ya insi ya Republic Democratic ya Congo ya kubongisa banzila ya kubongisa banganda ya pepo yonso ina mbongo ina miye lumezimbana ve na mabanza yonso ina amekuza mingi penza kutubati mbongo ango ina tasala bisalu yonso ina tala bampanga luzolo yake diambu ina mekutala insi ya Republic Democratic ya Congo diambu ankele aleta ikele diambu ya muntu mosive kansi ikele diambu ya Kongole yonso na ntangu bake na kufuandila kinzozi, na ntangu bake na kusola mambo mekutala nkele aleta, ya ukele mbote mingi, bantu yonso kuza tuna makutu na bau, bantu yonso kufuanda ndinga mosi, bantu yonso kufuanda ntima mosi, mutindu banku wa kinzozi kena kunwana, samuti, kana bosi mbote kuza ndima mbongo ina kufuanda na kele aleta, mbongo ina kulungisa nsatu ya bakongole yonso. Satu ya bakongole yonso yale nda tubati ndembama kuvanda yale nda tubati banzila kuvanda mbote samu maja kufuluka kati ya insi ya Republic Democratic ya Congo yale nda tubati banganda ya pepo fanaka mingi penza kuvanda mbote yale nda tubati banzila ya masini kuvanda mbote yonso ina ikele samu na mambote ya nkangu ya insi ya Republic Democratic ya Congo na yao ndeba mwona kati jamba ngole ndaka suka mutindu inave ndeki lumbwa bugu Jean-Michel Samalukoneta kuzaba vutu samvutu vutu samvutu vutu samvutu kana bosi ya monaka tina ndambu ankaka mutini baku zaka bongisa yandi mosi kuzaka bongisa intuwa jinalu yalu nandi nkela yango kana bosi mpi ba kwa kinzonzi vwandaka mingi penza na bavu wandaka na nzola tope bavu wandaka mutiba ketu baka na luputu rezo ngisa ya usamu ya ukelende luzingu ya nkangu ya ukelende nkangu ya insi ya Republic baki na kutadila mingi penza nkangu ya insi ya Republic Democratic ya Congo mutindu ya ndi mosi na nzila mutindu ya ndi mosi mabanza na fumu ya ndi mosi kele ya kutula ntete nkangu na ntwala pampanga luzolo ntama mingi ve na mutwadusu ya Christophe Mboso Kodi ya Mponga ya ndi mosi kwa lelu ta luta na ntwala kintwa di munu tibeno beta zaba mutindu ya takuza vutu samvutu yango kana yata pesa kese na nkangu kana yata pesa kese na bimemkisi ya nkangu yoso ina tavanda mbote mpamba ve jambo nkela leta kena kutala kaka luya luve kansi yake na kutala nkangu ya insi ya Republic Democratic ya Congo na nzila ya bimemkisi na bau banku wa kinzonze ya bame kutavanda awa na inzo ya kongre ya pale ya pepo.
Prenez place, prenez vos places, occupez vos places. Dégagez le couloir, s'il vous plaît. Et asseyez-vous. Dégagez le couloir à droite. À la droite. Dégagez le couloir. Et asseyez-vous. Je demande au public de rester silencieux. Il ne vous est pas autorisé d'applaudir. Seuls les députés peuvent applaudir dans cette salle. Et restez tous assis. Chers collègues, asseyez-vous. C'est le record. Monsieur le Premier ministre, nous vous saluons et vous remercions une fois de plus pour votre disponibilité. Nous adressons les mêmes salutations aux membres de votre gouvernement ici présents. Chers collègues, l'ordre du jour de notre séance prévoit le point C après. Primo, examen et vote du projet de loi de finances de l'exercice 2022. Secondo, examen et approbation du rapport de mission effectuée dans les territoires de Mwenga, province du Sud Kivu, du 8 au 14 septembre 2021. S'agissant du point relatif à l'examen et au vote des projets de loi de finances de l'exercice 2022, nous allons épuiser les débats généraux entamé à l'occasion de notre séance du lundi 15 novembre courant, il y a de cela 48 heures. Au cours de cette séance,
l'Assemblée nationale avait suivi l'exposé sur l'économie de ses projets de loi de finances présentés par le Premier ministre, chef du gouvernement d'une part, et les interventions des 70 honorables députés d'autre part. À ce sujet, il importe de préciser que cette séance s'est déroulée pendant 11h51 et s'est étalée pratiquement sur 2 jours. C'est pourquoi votre bureau tient à féliciter très sincèrement les honorables députés pour le patriotisme dont ils ont fait montre. Et la qualité de leurs interventions en décortiquant ces projets de loi de finances dans toutes ses articulations, tant en recettes qu'en dépenses, de manière qu'il puisse traduire l'expression de la réalité socio-économique de notre pays. À l'occasion de notre séance de ce jour, nous allons entendre les réponses de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux nombreuses et complexes préoccupations soulevées par les honorables députés. À la lumière de ces réponses, l'Assemblée nationale pourra alors se prononcer en toute connaissance de cause et responsabilité sur la recevabilité de ces projets de loi. Chers collègues, ceci dit et sans plus tarder, nous invitons Monsieur le Premier ministre à prendre de nouveau la parole pour répondre aux préoccupations des honorables députés. Merci, le Kabampanga de Zolo. Christophe Mbosoko, Diampanga, Mekatoua Kouboki, Lankwala, Liantite, ainsi la République démocratique et à Congo. Jean-Michel Samaloukonde, Samuna Pizaluta, Nantuala, il y a Banque Kézou. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Mfoutou, Nababiou, Fouyansouina, Banque Kézou, Zikitezo, il y a Makoumi Samboadi, Kouzaka Mingi Penza, Kouzayandi. Suivons attentivement les réponses de Monsieur le Premier ministre. Merci. Honorable Président, pour la parole que vous m'accordez. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, élu légitime du peuple, tant de défis à relever, une situation économique complexe, plusieurs équations sociales irrésolues, des inégalités trop visibles entre provinces, réduction réclamée du train de vie des institutions en faveur de l'armée, des services de sécurité et de certains autres secteurs sociaux. Souci affiché de faire décoller notre pays à partir de la base, aller davantage vers la diversification de l'économie, assurer davantage une répartition plus juste des richesses du pays. Voilà, en résumé, ce qui ressort du grand débat général qui a eu lieu le 15 novembre jusqu'aux petites heures du mardi 16
dernier, ici même, dans cette salle des congrès chargés d'histoire, à l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'exercice 2022. Au-delà d'un simple exercice législatif, ce débat a été révélateur. Révélateur de la maîtrise par les élus du peuple que vous êtes, de la profondeur des problèmes qui écument depuis plusieurs décennies notre nation. Permettez-moi, par conséquent, de remercier aussi bien les intervenants pour la pertinence de leurs propos que tous les honorables députés nationaux pour leur participation active à la plénière. Ces remerciements, je les adresse également et autant à l'honorable président de l'Assemblée nationale pour toute sa dextérité dans la conduite du débat, qu'à l'ensemble des membres du bureau. Je voudrais ici manifester d'ores et déjà, au nom de tout le gouvernement, ma sincère reconnaissance aux honorables députés pour la courtoisie qui a caractérisé leurs propos et le soutien sans faille qu'ils ont daigné exprimer clairement à notre endroit, au-delà même de leurs appartenances politiques. Ceci prouve à suffisance que face au péril, les Congolais sont toujours capables, quoi qu'on dise, de puiser au plus profond de leur être pour faire triompher l'intérêt supérieur de la nation. À travers toutes les pertinentes préoccupations qui ont été soulevées par les élus du peuple, j'ai encore pu réaliser l'immensité de la charge que nous avons tous en commun dans le processus du redressement de notre pays. Et c'est donc avec une profonde humilité que je me présente une fois de plus devant votre auguste chambre afin d'essayer de rencontrer lesdites préoccupations. Honorable Président, plus de 70 députés nationaux ont pris la parole dans le cadre de ce débat général. Les préoccupations soulevées peuvent être regroupées en chapitres suivant le chemin ci-après. 1. Préoccupations d'ordre général. 2. Préoccupations liées aux allocations des ressources budgétaire. 3. Préoccupations liées à la sécurité et à l'ordre public, singulièrement concernant les conditions sociales de nos forces armées et de sécurité. 4. Préoccupations d'ordre social, particulièrement le cas de l'enseignement et de la santé. 5. Préoccupations liées aux investissements et au secteur productif, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage. 6. Préoccupations liées à la décentralisation budgétaire. 7. Préoccupations liées au processus électoral. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, concernant les préoccupations d'ordre général, les honorables députés ont soulevé une question fondamentale, celle de savoir si le niveau de notre budget est en phase avec les potentialités que regorge notre pays. Subsidiairement à cette question fondamentale, les honorables députés se sont aussi interrogés
Si le bon comportement des indicateurs macroéconomiques évoqués dans le projet de loi de finances contribue réellement à l'amélioration du vécu quotidien de nos compatriotes. Devant cette espèce de paradoxe, les espoirs du Congolais reposent-ils sur les réformes à engager, notamment le basculement vers le budget programme, en vue d'accélérer l'émergence de notre pays, ainsi que cela a été évoqué par certains élus au cours du débat. Comme j'ai eu à le soulever dans le cadre de la présentation du programme d'action, votre gouvernement est conscient du faible niveau du budget, longtemps décrié. C'est ainsi qu'il s'est engagé dans un horizon de 3 ans à mobiliser des recettes de l'État à environ 36,5 milliards de dollars américains, soit une moyenne annuelle de 12 milliards. Je voudrais, à ce sujet, rassurer les honorables députés que votre gouvernement vient ici soumettre à votre examen un projet de budget estimé à 10 milliards de dollars américains pour le compte du pouvoir central et s'attend à y ajouter 2 milliards de plus pour le compte des provinces et des entités territoriales décentralisées. Lesquelles mettent également en œuvre le programme du gouvernement et ce conformément à l'article 12 de la loi sur les finances publiques. En réalité, pour nous, cet objectif n'est qu'intermédiaire, car l'ambition de votre gouvernement est d'aller bien au-delà de ses prévisions en multipliant davantage d'efforts à travers notamment des réformes adaptées. Dans un passé très récent, il était laborieux, voire irréaliste, d'oser projeter un budget à hauteur de 5 ou 6 milliards. Aujourd'hui, en tant que chef du gouvernement et avec l'apport de tous, et ce, compris les élus que vous êtes, je suis fier de défendre devant la représentation nationale un projet de loi de finances estimé à 10 milliards de dollars américains. Ceci constitue indiscutablement un progrès majeur dans le processus de l'émergence de notre pays. Quant à la préoccupation subsidiaire évoquée si haut, le gouvernement invite l'Auguste Assemblée ainsi que l'ensemble de notre peuple à avoir foi en l'avenir. Plus que jamais, la maîtrise du cadre macroéconomique en tant que terreau pour le développement des affaires et par conséquent la création des richesses constitue l'un des principaux chevaux de bataille de votre gouvernement. S'agissant de l'article 11 du projet de loi de finances, lequel créerait une certaine antinomie dans le système juridique national, le gouvernement estime tout d'abord que sur le plan formel, il n'y a aucun obstacle à ce que le même législateur que vous êtes puisse modifier une disposition légale existante. La loi postérieure primant toujours sur la loi antérieure. Et s'agissant en l'occurrence des rapports entre une loi et une ordonnance-loi, du reste, cela a toujours été le cas dans de nombreuses lois de finances antérieures. Ensuite, sur le plan du fond, l'article 11 du projet de loi de finances soumis à votre examen constitue en réalité, honorable député,
l'un des dispositifs majeurs retenus par votre gouvernement pour non seulement combattre la fraude en matière d'assises, mais surtout pour élargir l'assiette fiscale, le tout dans l'unique but d'obtenir l'accroissement des recettes. Il n'existerait donc, à l'estime du gouvernement, aucune antinomie entre deux textes légaux. Si l'on convient qu'à dater de sa promulgation, la dernière abroge toujours les dispositions antérieures qui lui sont contraires. Abordant la préoccupation liée à la sécurité et à l'ordre public, singulièrement concernant les conditions sociales de nos forces armées et de la police nationale, ainsi que les questions relatives à l'état de siège, je voudrais d'emblée rappeler à l'attention des honorables députés que l'état de siège est l'une des premières décisions politiques majeures qui a été prise par le président de la République après l'investiture de votre gouvernement. L'objectif premier de cette mesure constitutionnelle est de ramener la paix dans cette partie du pays qui ploie depuis une vingtaine d'années sous le joug de divers malheurs. À ce propos, en dépit des contraintes de tous ordres et de la résistance des forces ennemies, votre gouvernement, suivant la volonté de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, réaffirme sa ferme volonté d'aller sans désemparer, et ce, en tenant compte, bien sûr, des recommandations de la représentation nationale, afin de permettre le retour de la paix et impulser le développement dans cette partie du pays. Honorables députés, pour ce qui est des crédits alloués à la défense nationale,
réaffirme sa détermination à tout mettre en œuvre afin d'améliorer les conditions de vie de toutes les catégories sociales de notre peuple, et ce compris nos vaillants policiers et militaires, dans la logique d'un nivellement social par le haut et non par le bas. En tout état de cause, le plus important pour notre pays, c'est de consolider la croissance économique et l'amélioration des recettes publiques afin de créer davantage de richesses, devant par la suite être mieux reparti. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, nous abordons à présent les préoccupations d'ordre social, le cas de l'enseignement et de la santé. Concernant l'enseignement, particulièrement la problématique de la gratuité du niveau primaire, plusieurs honorables députés sont revenus sur cette action phare du gouvernement. En effet, depuis son investiture, Son Excellence Monsieur le Président de la République a fait de la question de la gratuité la priorité des priorités dans son action, parce qu'il s'agit ici de préparer l'avenir du pays. Cette décision vise à permettre à chaque enfant d'avoir la chance d'accéder à l'enseignement primaire conformément aux dispositions de l'article 43 de notre Constitution. Aujourd'hui, plus de 4 millions d'enfants autrefois non scolarisés, dont 40% des jeunes filles, ont rejoint le banc de l'école. La mise en œuvre de cette mesure pose évidemment des multiples défis, notamment la prise en charge des enseignants, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la construction de nouvelles infrastructures scolaires. Je voudrais rassurer la représentation nationale que sur cette question, votre gouvernement entend tout mettre en œuvre afin de relever ce défi. Tout compte fait, ce choix est irrévocable. Pour matérialiser cette volonté, chacun pourra noter que les prévisions budgétaires pour le secteur de l'éducation connaissent un accroissement de 9,16% par rapport à 2021. C'est dans cette optique que nous sommes engagés dans un dialogue permanent avec le banc syndical et les autres partenaires traditionnels du secteur de l'enseignement. Dans le secteur de la santé, les honorables députés ont soulevé des préoccupations sur la couverture sanitaire universelle. L'ambition du gouvernement est de mettre en place un cadre réglementaire cohérent et mobiliser des ressources pour sa mise en œuvre dans le souci d'assurer une meilleure prise en charge médicale des Congolais. Par la suite, il réunira bientôt l'ensemble des ministères concernés par ce vaste projet afin de lancer très rapidement le cadre institutionnel et opérationnel de prise en charge effective et progressive des malades jusqu'à l'implémentation complète du projet. À propos de la COVID-19, votre gouvernement, sous le leadership du président de la République, s'est engagé depuis la survenance du premier cas en mars 2020 à assurer la prise en charge des personnes touchées. Aujourd'hui, nous faisons du respect des mesures barrières et de la vaccination des piliers principaux pour notre stratégie de riposte. Le taux vaccinal à ce jour demeure trop faible et nous voulons à ce propos saluer l'implication
des honorables députés dans la campagne de vaccination, en espérant qu'ensemble, nous pourrons suffisamment expliquer à nos populations le bien fondé de ces mesures. Sous un autre registre, et pour être tout à fait complet, il y a lieu de noter que le gouvernement poursuit sa politique de construction et de réhabilitation des structures de santé, ainsi que l'amélioration des conditions de vie du personnel soignant, médecins et non-médecins. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, s'agissant des investissements et des secteurs productifs, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage, le projet de loi de finances 2022 prévoit un accroissement de la part des investissements sur ressources propres de 21,5% contre 11% pour l'année 2021. Parmi les priorités dans les secteurs productifs, on peut citer notamment la mise en œuvre du plan directeur de l'industrialisation du pays, le projet d'appui à la promotion des filières du manioc et du maïs, que l'acquisition des engins et des intrants agricoles. Dans la même optique, le programme de développement local des 145 territoires est, comme chacun le sait, une initiative de Son Excellence Monsieur le Président de la République visant à accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, à assurer une redistribution équitable des richesses nationales et à booster le développement à la base. Ce programme sera mis en œuvre à travers le développement des infrastructures rurales, des chaînes de valeurs agricoles, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, ainsi que la construction des écoles, des centres de santé, des bureaux administratifs et des bâtiments pour les tribunaux de paix. Investir dans notre territoire, c'est aussi une manière de contenir l'exode rural. Nous sommes convaincus que la bonne exécution de ce programme rencontrera les préoccupations des élus plus exprimées au cours de ce débat. S'agissant des préoccupations liées à la décentralisation budgétaire, l'application des dispositions légales prévues à ce sujet est butée à la contrainte de l'immensité du territoire national, ainsi qu'à celle de la faiblesse des infrastructures de base permettant de rapprocher les centres de décision de la base. En ce qui concerne la Caisse nationale de péréquation, les textes portant organisation et fonctionnement de cette structure, ainsi que la nomination de ses animateurs, sont effectifs. Les modalités pratiques de la gestion financière et des projets visant à équilibrer le développement des provinces et des ETD restent cependant à consolider. S'agissant des transferts de 40% des recettes à caractère national au profit des ETD, je voudrais rassurer les honorables députés que depuis son investiture, votre gouvernement s'est évertué à transférer des crédits au titre de fonctionnement et d'investissement aux provinces pour le compte des assemblées provinciales, des gouvernements provinciaux et des ETD. Il revient à ces provinces de transférer à leur tour la quote-part réservée aux ETD. Pour ce qui est des préoccupations liées au processus électoral, je voudrais préciser à l'attention de la plénière que, comme mentionné dans mon discours de présentation et conformément aux orientations du président de la République, les délais constitutionnels seront respectés. Et à ce propos, votre gouvernement a déjà mis de côté, dans le cadre des économies de cette année, 200 milliards de francs congolais sur des prévisions initiales de 90 milliards.
pour l'exercice 2021. Et pour l'exercice 2022, nous avons aligné 500 milliards pour nous permettre de couvrir les charges liées au processus électoral. Nous attendons du bureau qui a été récemment installé un plan concret qui nous permettra de démarrer les premières opérations électorales. Dans le même esprit, votre gouvernement a fait de la question du recensement une question cruciale au regard de l'importance qu'elle revêt. C'est ainsi que nous travaillons à la mutualisation des services pour nous permettre de démarrer des opérations de recensement qui nous permettront d'avoir des statistiques claires permettant de déployer notre plan de développement d'une part et d'autre part de doter les Congolais d'une carte d'identité. Je tiens à préciser que l'organisation des élections n'est en rien tenue au résultat du recensement. Honorable député, sans prétendre avoir été exhaustif, voilà résumé les réponses du gouvernement aux multiples préoccupations que vous avez soulevées à l'occasion de cet exercice démocratique. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable député élu légitime de notre peuple, en concluant mon propos de ce jour, mes pensées sont encore une fois orientées vers des millions de Congolais dans bien des coins de notre vaste territoire qui ont perdu tout espoir de voir à nouveau l'État leur tendre la main. Je pense à tous ces jeunes universitaires, ou non, empêtrés dans le chômage et qui s'interrogent sans un brin de réponse sur leur avenir. Je pense à nos enseignants, nos soignants, nos militaires, nos policiers, nos fonctionnaires et à toutes les autres catégories d'agents publics ou privés qui espèrent tous les jours voir l'État s'occuper davantage de leur carrière et de leurs conditions sociales. Je voudrais leur dire que l'État est conscient de leurs peines et de leurs attentes. J'aimerais leur réaffirmer combien le gouvernement que je dirige est déterminé à prendre à bras le corps tous ces problèmes et y apporter progressivement des solutions satisfaisantes. Une chose est sûre, l'inertie, l'inaction ou encore la résignation ne seront nullement tolérées dans le nouveau narratif que nous essayons de mettre en place. Je demeure convaincu que si nous regardons tous dans la même direction, si nous prenons conscience non seulement de ce que notre pays vaut dans le monde, mais également de sa grandeur et de ses potentialités, rien, mais alors rien ne pourra retarder encore pour longtemps le décollage de notre pays. J'exprime encore une fois tous mes remerciements à tous les honorables députés, toutes tendances confondues, pour s'être livrés à cet exercice républicain et constitutionnel. Merci pour le soutien franc, exigeant cependant des résultats concrets. Votre gouvernement a pris bonne note de toutes les alertes, de toutes les remarques et de toutes les observations que vous lui avez adressées. Il demeure convaincu qu'à travers les amendements attendus, notamment au niveau de la commission ECOFIN, certaines améliorations apporteront en toute responsabilité un plus à ce projet de texte de loi. Ainsi que j'avais eu à l'affirmer ici, c'est ensemble que nous gagnerons
le pari du relèvement de notre nation. Une fois de plus, honorables députés, je vous demande de recevoir à l'unanimité ce projet de loi, de l'examiner et de l'adopter avec diligence, afin de permettre à votre gouvernement d'avoir les moyens de sa politique et d'accélérer la matérialisation de la vision de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et je vous remercie.